Quand un patient se présente au cabinet avec un désordre au niveau de son traitement implantaire, il convient de savoir quand est-ce qu'on va parler d'échec, est-ce que cet échec est réversible et est-ce qu'il est biologique, fonctionnel, esthétique, les trois. Donc pour tenter de répondre à notre problématique, on va d'abord parler biologie. Alors je sais que c'est un schéma que vous avez déjà vu des dizaines de fois, mais j'aimerais juste qu'on s'attarde sur l'architecture des fibres collagéniques. À gauche, vous avez les tissus parodontaux, donc on voit que l'insertion des fibres, pardon, je ne sais mieux, se fait de façon perpendiculaire à la dent et crée une réelle barrière pour la progression apicale, tandis que au niveau des tissus périimplantaires, cette insertion se fait au niveau de l'os juxtacrestal et ne constitue pas de barrière pour une éventuelle progression apicale. Donc, le pendant de tout ça, c'est que si on est en présence d'un infiltrat inflammatoire, sur des tissus parodontaux, cet infiltrat va être stoppé, ce qui n'est pas le cas pour les tissus périimplantaires. Et ce qui fait que les progressions peuvent être faites, se font beaucoup plus rapidement en présence d'implants. Alors, on va d'abord commencer par identifier les différents échecs qui peuvent arriver. D'abord, les échecs biologiques. Donc, quand on est sur un environnement sain, cliniquement, on va être face à une gencive non inflammée. Et d'un point de vue radiologique, on va avoir une projection de l'os au niveau des cols implantaires. Quand vous avez présence d'un infiltrat inflammatoire de biofilms bactéries qui apparaît, vous commencez à avoir une inflammation au niveau des tissus périimplantaires, un saignement au sondage. En revanche, pas de modification d'un point de vue radiologique avec un os qui n'est encore pas atteint. Cependant, comme on vient le voir, la progression peut se faire assez rapidement vers la périimplantite, où là, on observe une atteinte, un début de lyse osseuse, qui progressera assez rapidement si rien n'est traité, en direction apicale, avec cliniquement l'apparition de mobilité de l'implant et de la suprastructure prothétique jusqu'à une perte d'ostéointégration totale. Il existe un autre type de défauts biologiques qui sont assez déroutants cliniquement car aucun signe clinique n'est apparent, c'est-à-dire que vous allez être face à un épithélium non inflammatoire. Et pourtant, le patient souvent se plaint de douleurs assez vives. Lorsque on effectue un examen radiologique, on peut observer comme une lésion périapicale au niveau de l'implant. C'est souvent donc dû à une nécrose osseuse apicale qui est due à un échauffement de l'os lors du forage. On le reverra un petit peu plus tard dans la présentation. Donc il existe un autre type d'échec, que sont les échecs esthétiques qui se transformeront en échecs biologiques, car effectivement, même si l'implant intrinsèquement ne présente pas de défauts biologiques au niveau des tissus périimplantaires ou au niveau osseux, le fait de sa position peut rendre l'accès difficile au brossage ou entraîner des surcharges occlusales par rapport à la reconstruction supra-implantaire et donc se transformer ensuite en échec biologique. Donc, ceci étant établi, voilà les différents types d'échecs que l'on peut rencontrer. Il convient de savoir comment on va pouvoir gérer ces échecs. On a à notre disposition une boîte à outils, un arsenal thérapeutique avec différentes techniques pour pouvoir gérer ces échecs. Il y a une gestion de l'échec. Donc, je disais, une gestion de l'échec qui peut se faire avant la pose de l'implant. Par l'élaboration d'un projet prothétique cohérent, il faut bien avoir en tête que la finalité de l'implant, c'est la dent. Donc il va falloir élaborer un projet prothétique à l'aide wax-up, guidage chirurgical, guidage radio, qui permettent d'obtenir une émergence et un positionnement en adéquation avec la future prothèse. Un respect du protocole chirurgical, à savoir des protocoles d'asepsie lors de la pose d'implant pour éviter une contamination du site opératoire. Une irrigation importante lors du forage pour éviter toute nécrose osseuse apicale sur les échecs que l'on a pu voir précédemment. Toujours dans la même optique, faire attention à l'utilisation des forêts et au bourrage osseux que vous pouvez avoir lors de certains forages alvéolaires.
Le respect de la biologie intrinsèque à ce que requièrent les implants, donc les distances minimum entre les implants, on parle de 3 mm pour que le pic osseux puisse s'exprimer et ainsi soutenir les tissus périimplantaires. Anticiper aussi les résorptions physiologiques centripètes antérieures, surtout au maxillaire, donc peut-être positionner ces implants parfois un petit peu plus palatins ou associer la pose d'implants à des ROG. La nécessité d'avoir la présence de gencives kératinisées, on parle au moins de 2 mm au niveau des cols implantaires. Et très important, la nécessité d'avoir une vascularisation de l'os au niveau de l'alvéole de forage, c'est-à-dire que si vous vous retrouvez dans cette situation, il vaut mieux peut-être entreprendre une stimulation périostée, attendre que l'os se revascularise avant de poser l'implant. Enfin, un respect du protocole du système inhérent au système implantaire, suivant le fabricant que vous choisissez, parfois la pose, enfin, le système requiert une pose juxta ou infracrestale. Ensuite, la gestion de l'implant, de l'échec, après la pose implantaire. Donc, on peut mettre en place un protocole en plusieurs étapes, où l'on pourra mettre en place des thérapeutiques non chirurgicales, des thérapeutiques chirurgicales, l'association des deux. Donc on commence par une identification de l'échec qui nous permet d'obtenir un diagnostic, ce que l'on vient de voir. Dans un premier temps, les thérapeutiques non chirurgicales qui s'offrent à nous, donc les thérapeutiques manuelles, qui correspondent à un détartrage, sauf que la spécificité, c'est que les curettes doivent être plastiques, en fibre de carbone, avec une partie active recouverte d'un alliage en or pour éviter de léser les surfaces implantaires. Il existe aussi des thérapeutiques mécaniques que l'on peut faire à l'aide d'ultrasons, d'inserts piézoélectriques, l'aéroabrasion ou le laser, ici sans lambeau, puisqu'on est dans des thérapeutiques non chirurgicales. Donc les curettes et inserts devront être en téflon au carbone. Donc ici, une animation en ce qui concerne l'aéroabrasion, où l'on voit que l'insert permet d'envoyer de l'irrigation en direction apicale, tandis que la poudre, elle, s'injecte perpendiculairement à la surface implantaire et permet un débridement de la surface. Une fois ce débridage effectué, on rince avec une solution type sérum physiologique pour éviter qu'on ait encore des particules de micro-abrasion présentes au niveau du sulcus périimplantaire. Et on observera du coup dans un second temps une diminution de l'inflammation et une cicatrisation des tissus périimplantaires. Il existe également des thérapeutiques électrolytiques où, grâce à un jeu entre une anode et une cathode, on fait passer un liquide électrolytique. Ce liquide va pouvoir circuler au niveau du défaut et de l'échec, enfin du défaut de implantaire. Il y a différentes sociétés qui commercialisent ce genre de technique, Nobel, Stroman, et en fait, vous allez avoir vraiment création de bulles d'hydrogène à la surface de l'implant qui permettent un détachement du biofilm. C'est une technique qui peut être intéressante puisque vous n'avez pas d'insertion à ce moment-là d'instrument dans le sulcus ou au niveau du défaut, ce qui fait qu'on préserve la surface implantaire et les tissus périapicaux. Voilà. Hop. Excusez-moi. Ça s'est arrêté chez moi. Non, ça continue chez vous. Bon. OK. Et voilà. Donc, une fois ces thérapeutiques non chirurgicales effectuées, on peut réévaluer. Si on n'a pas entière satisfaction, on peut y associer des thérapeutiques chirurgicales. D'abord, des thérapeutiques dites régénératrices. Donc, ici, un cas d'une ROG associée à un prélèvement de conjonctive. Donc, c'est un patient qui se présente suite à un échec. En plus, il est prof d'histoire géo, donc il est amené quand même à parler beaucoup. Là, on observe du coup un échec esthétique et biologique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune mobilité d'un point de vue clinique. Les implants sont encore ostéo-intégrés au mur palatin. La première chose à faire, c'est de mettre à nu le défaut et de pouvoir évaluer le niveau des pics osseux, car de toute façon, quelle que soit la régénération, on ne pourra pas aller au-delà de ces pics osseux. Donc on appose un matériau de comblement type BIOS, sur lequel on met une membrane donc résorbable. Vous voyez qu'on a quand même exposition de spire
malgré le nivelage au niveau des pics osseux. Donc on décide d'y associer une chirurgie parodontale avec un prélèvement conjonctif palatin. Voilà la cicatrisation que l'on obtient à 10 jours. Alors effectivement, c'est perfectible, mais on est quand même dans une situation plus favorable que la situation initiale. Vous avez également, dans les thérapeutiques régénératrices, le laser, cette fois-ci avec lambeau. Donc le laser va intervenir à différents niveaux. D'abord, la suppression du tissu de granulation pour accéder à la lésion. Il va permettre ensuite une détoxification de la surface implantaire et de l'os infecté en regard. Il a un effet bactéricide. Et en dernier lieu, avec une longueur d'onde un petit peu plus pénétrante, il va permettre de réaliser une biostimulation de l'os en regard du défaut et ainsi permettre une cicatrisation et une réostéo-intégration au niveau des tissus osseux, ce qui permet de gérer le défaut et l'éventuelle poche périimplantaire. Dans les thérapeutiques résectrices, on a tout d'abord la résection apicale de l'implant lui-même, dans les cas de nécrose osseuse apicale, ce qui correspond vraiment à la réalisation comme d'une chirurgie endodontique, où l'on fait une fenêtre osseuse en regard du défaut, on vient réséquer l'apex de l'implant en regard de la lésion. On se retrouve du coup face à comme une alvéolite sèche localisée d'un point de vue osseux, donc on va curter l'os pour entraîner une revascularisation et ainsi une cicatrisation osseuse. Il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention, bien évidemment, c'est à quel niveau se situe le fût au niveau de la vis, de ne pas resséquer l'implant au-delà du fût, parce qu'à ce moment-là, l'implant serait à déposer. Enfin, une résection des spires implantaires elles-mêmes. Donc les implants, comme on l'a vu dans les différentes présentations, présentent des spires plus ou moins agressives avec des états de surface aujourd'hui rugueux, ce qui permet le développement et l'accroche du biofilm de façon importante. Du coup, la société, par exemple, la société Comet a mis en place un kit de fraises en carbure de tungstène avec une architecture et un col assez long qui permettent d'obtenir l'accès à des poches un petit peu difficiles d'accès. Du coup, à ce moment-là, on fait une résection des spires, on obtient une surface lisse, on traque les tissus de soutien et on ralentit en tout cas la colonisation bactérienne à venir. Et enfin, quand on est face à une fracture d'implant, une vis prothétique cassée que l'on n'arrive pas à récupérer ou une alvéolite trop importante, on est obligé de passer à l'explantation, donc différentes techniques. Le tourne-à-gauche qui peut être utilisé que dans des densités faibles et ou avec dans des densités osseuses et ou avec une ostéointégration faible. La piézochirurgie, le davier et en dernier lieu, si on n'a pas le choix, le trépan, parce que c'est quand même un instrument qui est assez iatrogène et qui consiste vraiment à faire une carotte osseuse au niveau de l'implant à déposer. Donc, une fois que l'on a pris et utilisé tous les outils de notre arsenal thérapeutique, qu'on les a peut-être mélangés les uns les autres, il convient quand même de réaliser un suivi post-opératoire et une thérapeutique de soutien pour éviter de se retrouver à la case départ. Donc cette thérapeutique de soutien va consister à une systématisation des rendez-vous de contrôle où l'on va effectuer un sondage et le nettoyage au niveau des tissus périimplantaires. J'aimerais finir la présentation en vous parlant de l'aspect médico-légal lors des échecs implantaires. Donc deux questions peuvent se poser à nous. Est-ce mon échec ou celui d'un confrère? Et est-ce que j'ai participé au plan de traitement? Où est-ce que je reçois le patient avec l'échec déjà présent en bouche? Quelle que soit la réponse à cette question, le code de déontologie des chirurgiens dentistes nous rappelle quand même à des devoirs de confraternité. Bien évidemment, il est interdit de calomnier ou de médire sur un confrère et le détournement ou la tentative de détournement de patientèle est interdit, quel que soit le cas qu'on vous envoie et quel que soit le confrère en question. Ensuite, deux situations. Je n'ai pas participé au plan de traitement initial. Donc, c'est important à ce moment-là de notifier dans le dossier un descriptif historique et clinique du cas avant de commencer n'importe quel soin, certificat de constatation. Et dans le cas où j'ai participé au plan de traitement initial, à quel moment ai-je participé à ce plan de traitement? Suis-je le praticien qui a effectué la greffe, le praticien poseur de l'implant ou le praticien qui fait la réhabilitation prothétique? Se pose alors la question de qui est responsable? Est-ce que la responsabilité est partagée?
En tout cas, ce qu'il faut retenir au niveau d'un plan de traitement implantaire, c'est que chaque intervenant est responsable de la mise en place spécifique de son traitement, bien évidemment. Cependant, comme on l'a vu précédemment, c'est la dent qui est la finalité de l'implant. Donc souvent, la conception globale d'une réhabilitation implantaire est imputable au praticien qui assume la phase prothétique. Pour éviter l'échec, une clé du succès, ce serait la mise en place d'un véritable partenariat thérapeutique entre les différents protagonistes du plan de traitement, avec l'élaboration d'une anamnèse bien précise pour essayer de définir les facteurs de risque locaux, généraux, tabac, diabète, etc., et de bien notifier dans les dossiers des devis détaillés, de respecter tous les protocoles, que ce soit d'un point de vue chirurgical ou prothétique, et bien évidemment de réaliser le suivi thérapeutique.